Zehn Dinge, die Sie nicht tun sollten als Staat. Riten. Musik. Das Buch der Lieder. Quan Quan, die Fischadler. Quan Quan, Zhu Jiu, auf der Insel im Strom. Zai He, Zhu Zhou, anmutige reine Frau. Yao Qiao, Shu Nü, ich von edlem Geblüt möchte mit euch zusammen sein. Zun Zi, Hao Qiu. Das Buch der Dokumente. Si nous examinons la conduite de l'ancien empereur Lao, nous trouverons que le titre de bien méritant lui appartient à bon droit. Il était constamment attentif à bien remplir son devoir, très perspicace, d'une vertu accomplie, d'une rare prudence, cela naturellement et sans effort. Grave et respectueux, il savait céder et condescendre. Son influence et sa renommée atteignirent jusqu'aux extrémités de l'Empire, jusqu'aux dernières limites du ciel et de la terre. Il cultiva parfaitement ses grandes vertus naturelles et par ce moyen fit régner la concorde dans les 9 classes de ses parents. Quand la concorde fut bien établie dans les 9 classes de ses parents, il régla admirablement toutes les familles de sa principauté particulière. Quand la vertu brilla dans toutes les familles de sa principauté particulière, il établit l'union et la concorde entre les habitants de toutes les autres principautés. Oh, alors toute la race à chevaux noirs, la population de tout l'Empire, fut transformée et vécut en parfaite harmonie. Goethe. Verfeinerung. Folgsamkeit. Brüderliche Liebe. Lauterkeit. Eloquenz. Bla 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 bla. Im Shangzhen-Shu 4.3 steht, wenn es im Staat Riten und Musik gibt, Lieder und Dokumente, Güte und Verfeinerung, Folgsamkeit und brüderliche Liebe, Lauterkeit und Eloquenz. Wenn es diese 10 Dinge im Staat gibt, dann kann die Obrigkeit niemanden in den Krieg führen. Er zerfällt und geht schließlich unter. Gibt es diese 10 Dinge im Staat nicht, dann kann die Obrigkeit Leute in den Krieg führen. Der Staat wird gedeihen und es zur Souveränität bringen.